Yeah, salut tout le monde. Bonjour le monde. Et bienvenue dans cet épisode 15 de Isaac Rebirth. Et aujourd'hui on va s'amuser encore une fois, comme à chaque fois, parce qu'on est des fifous. On avait fait Maggie la dernière fois, on avait fait K1 maintenant. On avait fait K1 bien sûr. On a fait K1 maintenant, j'ai pas rejoué depuis la dernière fois, la preuve le streak est toujours à moins 2. Faut changer ça. La run, la seed. QXTM E3-2F, E3-2, K1 donc. Alors, c'est là. Ouais. Yeah. J'aime pas c'est là. C'est là, ça pue des fesses. Burning c'est là, c'est encore pire. Mon dieu. Vivement Afterbirth. Je le dis à chaque fois. Je m'en fous. Et dire qu'il y a des sites spécialisés hein, dans les jeux vidéo qui disent Afterlife, mais non les gars, putain, vérifiez vos sources à la con, merde. Arrêtez de faire de la merde dans votre boulot, mais moi je le ferai mieux. Ouais, puis donnez-moi des bombes. Donnez-moi des bombes drop, hein, ce serait pas mal aussi. Hein, identiquement dans les runs, hein, donnez-moi du bombe drop dans les runs de Majora. Hein, c'est toujours bien les bombes drop, c'est toujours plaisir. Un coffre avec une pilule. Explosif derrière, super. Oh, ça peut être pas mal ça. Allez, Lost Contact. Ça fait très con sur K1 d'ailleurs. Du coup, mes tirs ont un bouclier. Et les tirs ennemis seront bloqués par le bouclier. Ça peut être pas mal. Ça peut être très bien. Allez, touche le bordel. J'ai augmenté la luminosité de mon écran. Voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux comme ça. Allez, meurs. Je voudrais des trucs. Hein. Ah, il y a un rocher X là, mais j'ai pas de bombe. Il est en plein milieu en plus. Alors, parlant de rocher X. Faut vraiment que j'apprenne à les reconnaître dans les étages d'après. Faut vraiment que je le fasse. Je devrais regarder. À chaque fois, j'oublie. Je le ferai après cet épisode. Mais j'aurais oublié. Pin. Ok, ça va. C'est juste une pin, quoi. Une grosse pin. Bien longue. Et bien dure. C'est dégueulasse. C'est toujours dégueulasse dans mes vidéos, voilà. Si vous le saviez pas, et ben maintenant vous le savez. Allez, meurs. Meurs, pourriture. Voilà, dégage. Squeezie, nice, un tear zap. Et deux cœurs grid, par la même occasion. Ah, Basement 2, cool. C'est pas Cellar. Une Curse Room, bon, voyez-les maintenant. Curse Room de merde. Merci d'avoir gâché un cœur gris, ça fait toujours plaisir. K1, il a pas un très gros range. Hein. Faudrait un range up. Pas de rocher X. Parce que je vérifie ça en même temps que d'attaquer des ennemis, hein, quoi, ça fait toujours plaisir. Lui, il va me donner une pilule, vu que c'est un champion vert. Sinon, il va rien me donner comme un connard. Une pilule. C'est explosif derrière. Attendez que j'ai pas de bombe, on va aller la garder pour après. Ok, donc la secret room peut être à droite. Voilà, la preuve, c'est que là, j'ai arrêté le tir ennemi, là. On l'a très bien vu. Voilà, là aussi, on l'a re-bien vu. Là encore, c'est toujours plaisir. Bon bah, il y a quoi là-dedans? J'ai déjà 5 clés, quoi. The Peeper, ça va faire très très con avec... voilà. Ça aurait été énorme que ça le fasse sur l'autre œil, en fait. Bon bah, voilà. Quin a retrouvé son œil perdu. Il fallait juste choper le The Peeper. Ah, il m'a donné une clé, lui. Je pensais qu'il exploserait. Putain, je suis Clayman, quoi. Bad trip. Oh, sa mère. Il
Décidément. J'aimerais bien des bonnes pilules pour une run. Au moins un jour, quoi. Bah, on va utiliser Explosif Diarrhea. Voilà. J'étais sûr. Et du coup, tac, on va rentrer dans le... Bon, tiens, comme ça, j'ai 5 pièces. Nice. Un cœur gris pour sauver la mise. C'était ce que je voulais. Bon, le boss, il doit être là. Voilà, bingo. Hey, c'est un bingo. Une carte justice, c'est bien ça. Larry Junior. Ah, c'est le Larry Junior bleu, il me donnera peut-être des clinkers gris du coup à la fin. Puis il lâche pas de caca lui, donc c'est ça qui est bien. Puis en plus, je suis dans une salle où il n'y a pas de rocher, donc c'est un peu un Larry Junior vraiment bidon là. C'était bidon, voilà. Cœur gris, caféine pile. Speed up, size down, et j'ai une pilule télépils, merde. Je vais l'utiliser après. Ah, ça va, il y a encore le deal. Le deal, c'est Krampus. Alors, bien sûr, le Lost Contact, il arrête pas les Brimstone. Hein, en cas où vous étiez un peu. Je sais pas, en cas où vous saviez pas. Hein. Enfin bon, c'est un peu logique, une petite larme n'arrête pas un gros laser. Hein. Au même titre qu'un laser, si j'ai Brimstone, ça n'arrêtera pas les larmes. Elle meurt. Donne-moi, je sais pas, Krampus aide. Non. Décidément, ils ont vachement réduit le taux de Krampus aide, j'ai l'impression. Juste un cœur, ok. Bon bah, Lump of Coal, c'est quand même un damage up, donc c'est pas de refus. Mais j'aurais bien aimé un objet sur espace, quoi. Je suis allé voir la salle où je suis pas y allé. Je parle très bien la France. Alors, qui a-t-il là-dedans? C'est Slot. Ah, tiens, c'est marrant, parce que du coup, on voit plus le... On voit plus l'effet du Lost Contact, alors qu'il y a encore... Hein. Il y a vraiment un range de merde. Oh, Two of Diamonds, ok. Plus de pièces. On va attendre un peu. Avant de l'utiliser. Sinon, là, ça me ferait 10 pièces. Je peux avoir plus que ça. On va tenter la Super Secret Room. Il est là, alors. Bah, on va la bomber. Pour une pilule d'explosif derrière. Okay, bon. Ça valait pas le coup. Ça aurait pu être, hein, je sais pas, il aurait pu me donner un cœur ou un truc intéressant, mais non. Curse of the Darkness. Curse of the... J'augmente la gamma. Pour YouTube. 140, c'est très bien. Ouais, non, 100, c'est un peu trop. 130. Ouais, c'est pas mal. La Ouija board. Luigi board. La gueule que j'ai. Lol, la gueule de cul. Regardez-moi cette gueule de fion. J'ai une gueule de fion. Y'a pas un rocher X en bas, là, par hasard? Je vois pas très bien. Non. Je vais encore leur dire, mais vivement Afterbirth avec le vrai The Lost, hein, le vrai The Lost avec, avec des Spectral Tears. Enfin, pas mon The Lost modé. Ah, c'était stylé ça. Première fois que je sais de ça, je crois d'ailleurs. Décidément, je me souviens dans la run précédente, il y avait plein de salles, il y avait plein de types de salles que j'avais jamais vues. Contre Warth. Mais bon, bombe-toi toi-même, hein, t'es con. Bonjour, alors voilà, ta propre bombe, dis-lui bonjour, dis-lui au revoir aussi maintenant. Il n'y a pas de rocher X, ok. Ouais, des corps complètement décapités. Challenge Room, bon, on y va. Oh, oui, le Whip Worm, c'est vraiment un des meilleurs worms du jeu. Gros range up, gros shot speed up, c'est vraiment ce qui manquait quoi. Surtout pour le range, quoi. Parce que le range sans, c'est... Là, ça va au bout de la salle, presque. Hein. Là, ça va... Allez, ça va un peu plus de la moitié, et sans... Oh, ça va au tiers, quoi. Donc j'y gagne, puis les tiers vont plus vite.
9 pièces. On va aller au shop, on va voir ce qu'il y a. Elle est meurte. Alors, il y a le boomerang. Il n'y a pas grand chose de génial. Enfin, il y a la mom's coin purse, mais... Je vais juste prendre le cœur, guy. Le reste m'intéresse pas tant que ça, en fait. Je préfère voir pour les prochains shops, voir s'il n'y a pas des trucs mieux, disons. C'est possible, d'ailleurs. Puis comme ça, je garde un certain quota de pièces pour la... Pour la suite. Ah, je pouvais pas esquiver là. J'étais bloqué. Faudrait un damage up. Bon, le boss il doit être là. Oh, c'est un double trouble. Fuck. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu en plus. Ça ne sert pas. On va le faire maintenant. Ah, ça va, c'est un Larry Junior. C'est un grand Larry Junior. Bon, tout va bien. C'est pas vraiment un double trouble au final. Ah, c'est un triple Larry Junior. Il y en a trois ? Ou il y en a deux ? On a combien ? On a que deux. Okay. Je crois qu'il y en avait trois. Bon, franchement, c'est bidon. Hein. Pas de deal, t'es sérieux ? Casse-burne. Je vais quand même aller voir l'autre salle. J'ai quand même eu un range up pour 15, c'est bien. Que oui, je sais pas, il y a des pièces. Que oui, il y a un accès à la curse room. Parce qu'il n'y en avait pas. Remarque, il y avait une challenge room, donc... peut-être pas de curse room. Enfin, pas de curse room. Comme ça, c'est réglé. Allez, donne-moi un truc. Une clé, ok. Secret room ici. Bingo. Pour des bombes, on va péter les champis. Il peut y avoir peut-être le Magic Mushroom ou des bonnes pilules. Alors ça c'est quoi? Ça c'est Bad Trip, donc non. 48 Hour Energy. Bad Gaz. Bah, je vais garder le Two of Diamonds. 48 Hour Energy, j'ai pas d'objet sur la barre espace, donc... s'en fiche. Je suis à 11 minutes. Est-ce qu'un jour je vais réussir à revoir à nouveau la challenge room, la boss rush room, je veux dire. Alors on va rebaisser le gamma parce que là, ça m'arrache les yeux. Voilà, beaucoup mieux. Curse room, parce que merde. Connard. Il y a déjà des vaginariums ici. Pff, je fasse attention. Moi. Faudrait pas que je me prenne deux dégâts en plus. Hein. Une bombe pour deux bombes, je prends. Bon, la run n'est pas gégène pour l'instant. Hein. Regardez un petit truc. La run n'est pas gégène. Hop, ça c'est fait. Ils peuvent pas s'attaquer entre eux, ces connards là, c'est relou. Hop, dégage. Des pièces. Ouais, cool. Comme ça, j'en aurai 14 si je réussis. Ouf. Elle est meurte. Oh, putain, l'enculé. Faut pas que je me reprenne un dégât, sinon j'ai pas de deal, là. Hein. Chaud, chaud, chaud. Oh, putain, mais y a que ces monstres ici, ou quoi? Sérieusement quoi, c'est quoi cet étage là? C'est l'étage des monstres verts ou quoi? On est sur Mars ou... Catacombe Mars quoi. Mars attaque.
please. L'attaque des bonhommes verts. Au secours, on est invasi. On est envahi par des monstres. J'aimerais bien trouver le shop, l'item room. Voilà, parfait. Cupid Zero. Ça sert un peu à rien, j'ai la Ouija board. Enfin. Oui et non. Oh non, c'est pas du tout le même effet, donc je ferme ma gueule, j'ai rien dit. Je vais acheter la Mom's Purse. Ça peut servir. Mais c'est tout. J'ai bien dit ça peut servir. Comme ça peut ne pas me servir. Putain, mais c'est vraiment l'étage de ces monstres, hein. Putain. Bon, ça fait quand même un bon combo, hein. J'ai rien dit sur Cupid Zero, c'est de la merde. Avec Ouija Board, non, non, c'est... J'ai juste confondu, j'ai merdé dans les effets. Ouija Board, ça traverse les... Ça traverse les rochers, et, Cupid Zero, ça traverse les... Oh putain, ta mère. Cupid Zero, ça traverse les monstres. Allez, un deal, là, please. Oh, une Angel Room! D'accord. Quel est ce bug? Du coup, y a pas de musique, c'est très très bizarre. La 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 la. Voilà, ça venait de quel jeu? On pourrait peut-être se faire méga Satan du coup. Ça venait de quel jeu? Voilà, à vous de le dire dans les commentaires. De quel jeu venait cette musique chantée par Erwan? Ah. Oui, je ne le dirai pas, hein. N'essayez pas de me faire craquer. Cherchez par vous-même. Je suis vraiment naze là aujourd'hui ou c'est moi. J'ai vraiment pas des bons trucs, quoi. Bon. Peut-être que la suite sera plus agréable. Ok. Ok, le jeu, pourquoi tu t'es mis en pause? Je ne sais pas. Un coffre que je ne peux pas atteindre. À moins que je le bombe, mais j'ai la flemme. Rêve. Le red patch, bah je vais prendre parce que je peux prendre deux trinkets. Ok, l'item room. Ah, donne-moi un bon truc. 2020, pas mal, pas mal. Voilà, voilà qui devient intéressant. Un bon gros damage up. Je vais peut-être l'ouvrir le coffre du coup. On va balancer quelques bombes. Voilà. Super. C'était très utile. J'ai kiffé ma race. Elle peut pas être la room. Ah. Ça c'est tentant. Ça c'est. Je suis très con, hein. J'aurais pu le faire là. Hein. Oh. La Mom's Pearl. La Mom's Pearl, c'est très bien. J'aurais plus de drops de... Two of Diamonds. Plus de drops de cœur blanc. Bah tiens, on va faire le boss. The Husk en Double Trouble. Oh la vache. Tout va bien. Oh putain. Oh la vache. Mon dieu. Allez,
pas d'Angel Room, je suis déçu. All bandage. Oh, t'es sérieux là? Ça par contre c'est plus de cœur noir. On va prendre plus de cœur blanc. Je pense. Quoique. Bah. C'est quoi, on va baser cœur noir là. Cœur blanc pour cet étage et cœur noir pour le reste. Alors par contre. Je vais aller prendre tout de suite le trinket qui est là-bas. Au final, on va jouer au cœur noir. On va prendre le store credit parce que du coup, voilà, le premier item que je vais prendre sera gratos. Donc le humbling bundle, ça, voilà, c'est tout. Puis on va prendre le black lipstick. Plus de cœur noir. On va péter ses crânes là, parce qu'il y en a deux. Ah bah parfait, le dry baby. Bon, ça valait le coup. Allez voir le reste de la salle au cas où il y a une. Je sais pas, une curse room. Ah, ta mère! Je n'y attendais pas. Ça, par contre, ça peut me TP à l'Angel Room. Bien. Allez hop là, Necronomicon dans ta gueule, des caca, des bisous. Oh ta mère. Je sais pas où il est l'autre, il est là. Des pilules. Oh la Goat Head. Yes. 48 Hour Energy, inconnu. Bah on va prendre le 48 Hour Energy au cas où. Je vais me prendre les pics. Du coup, on aura peut-être un accès à la... Tiens, je me demande si ça marche. On aura peut-être un accès à la room. Théoriquement, oui. Ouah, ta mère. Allez, crève, toi. Crève, Ragnagna Girl. L'ermite. Non. J'ai assez de clés, donc je m'en fiche. Je sais combien de temps. Je suis déjà à 20 minutes. Hein. J'ai failli me faire avoir. Faire attention au pic, Erwan. Tu t'en souviendras, c'est bon? Oui, oui, je m'en souviendrai. J'essaierai! Ok, merci. Merci, Dry Baby. Ça fait toujours plaisir. Je touche les 4. Bâtard. J'ai touché les 4. Oh, sérieusement. Je joue vraiment mal, là. Death, c'est de la pourriture. On pique dans la prochaine salle. Nul. Bien esquivé. Voilà, parfait. Peut-être là, la secret room. Non, bon bah tant pis. Devil's Room, tiens. Alors, c'est Devil's Room, mais sans deal. Donc du coup... Lemon Party. Du coup, j'aurais peut-être une Angel Room au prochain étage quand même. Oui, oui, il y en aura quand même une. Ok. Oh, ça peut être bien, ça. Enculé. Enculé. Ouais. Ultra Pride, oh, je peux avoir la Left Hand, ça m'intéresse. Bah au final, je vais arrêter le Whip Worm. Quoique... Ah, et puis fuck les cœurs noirs. Hein. Voilà. De toute façon, je pourrais en avoir dans les cœurs... je pourrais avoir des cœurs gris dans les... Dans les coffres rouges, donc... Au final, voilà. Ah oui, mais en fait, c'est pas mal, Lost Contact avec l'autre connerie, là. Du coup, ça m'assure... ça peut paraître très con, mais... Non.
Il aurait pu y avoir la secret room en dessous. Hein. La preuve. Je sais même pas comment je fais pour esquiver ça. Ça marche super bien parce que du coup ça traverse les tirs ennemis au final avec le Cupidzaro. La Ouija board. Et tout le tralala. C'est pas mal. Bon, y'a pas des trucs dans les. Voilà. Des pièces. Toujours plaisir. J'aurais bien des coffres. Faudrait la Guppy's Tail. Dans un coffre et après. Bon, des mouches, c'est toujours plaisir. Voilà, un biflage. Là, c'est l'autre boss. Nope, j'ai. Par contre, ouais, ça, oui. j'ai pas trouvé du tout le shop ou l'item room, donc. Donc, on continue. Des clés, je prends. C'est toujours utile d'en avoir en rab. J'ai eu qu'un seul crâne. J'ai eu l'autre, il n'y avait rien dedans. Ok. Et là, il y a tout. Ok, donc si, c'est long legs. Merci, elle va me dropper des petites araignées bleues des fois. Toujours plaisir. Et le shop qui contient. Oh, il contient la Blue Candle. Oh, il contient le starter deck. Donc ça, c'est génial. Two of Diamonds, on utilise. Re-Two of Diamonds, lol. Bon bah, voilà, 99 pièces. Que demande le peuple? Bon, là, ça devient une bonne run. Et Gomum, hein. Gomum. J'ai pas grand nombre de cœurs. Hein. C'est un peu dommage. Mom. La Blue Candle. Je préfère la Red, perso, mais la Blue est pas mal aussi. Hein. Dégage. Voilà. Ouf, ok, il m'a pas tué. Alors, négative, parce qu'on va à la Dark Room et. Ouh. J'ai envie de dire non. Pour la simple et bonne raison que j'ai la première partie de la clé. Utero 1, on va aller par là. Crevez tous. Crevez tous, bande de salopes. Cliquez, bande de salopes. Oula. Ok. C'est pas un rocher X, ça? Non. Bon bah. Je sais pas les différencier. Merde. Bon, je m'en fous, j'avais Goat Head, mais. Faudrait que j'utilise ma Blue Candle de temps en temps. Ah, un cœur gris, yes. C'est plaisir. Voilà. Des bombes. Merde. Two of Clubs, allons-y. Conquest. Ok, j'aurai le poney, quoi. Super. Super useless. Oh, le bâtard. Rien paraît. Ah, dégage. Angel Room, nice. Le poney, on s'en fiche. Ah, voilà qui est bien. Et hop là. L'ange rouge, quel plus chiant des deux. Cette fois, on a la musique.
Je suis le pyromane. Le pyromane à lunettes. Hop là, méga Satan, bonjour. Et puis hop. On y go. On va dire bonjour à MS. Ouf, putain, c'est la première fois que je le vois passer dans le petit truc là. Dégage. Toi aussi. Hop là, ça c'est fait. Un cœur blanc. Il doit y avoir un mob qui traîne. Voilà, c'était ça. Ça c'est une super challenge room, je ne peux pas y aller. Dommage, c'était bien visé pourtant. Méga troll bombe. C'est vrai que je peux pas les repousser avec les spectral tears. Une curse room. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ce qu'on va voir. Alors, High Priestess et Two of Spades. Ok. Ça valait pas vraiment le coup. Bon, pour High Priestess, si, mais. Petrified Poop, lol. Oh, t'es sérieux là? Boum boum boum, salut ça va, au revoir. Ça, c'est réglé. Vivement l'étage suivant que je me prenne un cœur en plus, hein, parce que... J'ai bien fait de pas prendre de deal au final, hein, parce que sinon je serais vraiment... Oh la vache, lol. Bon bah, un cœur en plus, direct, toujours plaisir. Le pyromane. Peut-il cramer tout le vagin? Oui, il peut! It lives! It didn't die. Enculé! Meurs, bâtard! Je fais pas mal par contre, j'ai aucun. J'ai aucun damage up dès le début, quoi. Ça par contre, c'est méga cheaté. Hein. Méga cheaté, Lost Contact et Piercing Shot. Alors, tac, y'a rien, et y'a rien, ok. Bon bah, Sheol. Grande salle, go for it. Merde. Bande de bâtards. Je me disais, mais y'a rien dedans, what the fuck. Alors, y'a pas des cœurs là-dedans? Non, hop, on va passer par là. Ok, c'était expéditif. Oh, ta mère, la pute, la chienne, je ne comprendrai pas ces mobs, décidément. Des fois, les trucs te transpercent, ça fait rien, des fois, ça touche, ça te fait quelque chose. Il me faudrait des cœurs là par contre, hein. Je suis dans la merde sinon. Oh, la Pandora's Box, ça donne quoi cet étage? Oh! Ah bah oui! Ah bah donne mon gars! Moi qui voulais des cœurs. Bah voilà, me voilà servi. Ça sert à rien de me donner des cœurs rouges maintenant. En plus j'ai un Fear Shot, ça qui est bon. C'est ça qui est bon, mon gars. Oula, double Gemini. Bon, ça va. Ça va. Je fais très mal maintenant. Hein. Damage up, Fear Shot, plein de cœurs noirs. Voilà, lolilol. Abaddon, quoi. Ouais, je suis le pyromage démoniaque. Voilà. Alors, ça fera un bon titre d'épisode, ça. Je vais le noter. C'est
C'est souvent comme ça, les titres d'épisodes ils deviennent comme ça, en plein de trucs. Allez hop, challenge room. YOLOL. The Emperor. Ouais. Je m'en fiche un peu. Judgment. Ok. Le mec pendant en plein combat il donne des pièces et tout. Rien à foutre du combat. Allez, viens vers mes tiers. Hop là, dodge food. Parfait. Le mec, il s'en fout du combat. Ouais non, moi je donne mes pièces. Hein. Allez, la grande salle. Ok. Bomberman. Bomberman is back. Il y a une curse room, on va y aller. Hein. On a plein de cœurs. Hein. Au pire, ça nous nique deux. Non, quoique. Quoique. Ça va nous niquer qu'un cœur. Attends, on va faire un petit truc. Voit-il The Emperor dans la. Dans cette salle à la con. À moins que ça nous téléporte en dehors. The Hanged Man. Judgment. Judgment encore. Bon. Ah, par contre, ouais, c'est lui. Donc, non. Bon, vas-y, Emperor. Bonjour, bonjour Satan. Hein, de toute façon. Maintenant. Nickel. Ah, je l'ai bien placé là. C'était magnifique. Pff, en plus la Blue Candle elle annule les tirs aussi, donc c'est très lol. Bonjour Satan, je te biffe mes royales. C'était très bizarre hein, le fait que ça n'apparaisse pas direct là. C'est vraiment de la run de fou là. C'était merdique au début, puis après Abaddon, Blue Candle, Abaddon, et là c'est devenu cheaté à mort. Ça c'est fait, puis le reste de l'étage. Je m'en contrebats les couilles. Je m'en masturbe allègrement la nouille. Alors. Ah oui, c'est vrai que j'ai activé Mega Satan. Alors, Judgment. Pourquoi pas? Un bégard à clé. Donne-moi des coffres, hein. Après tout, t'es là pour ça, mon gars. C'est quoi l'autre High Priestess, ok. Moi, tant qu'il me donne des trucs, je lui balance, hein. Bon, par contre, quand il m'en reste 5, je le tue. Bon, maintenant tu meurs. Alors, il y aurait un truc vraiment... Ok, lol. Il y aurait un truc vraiment épique. Ce serait une rune Jera. C'est pour ça que je vais pas les ouvrir maintenant. Mais si je tombe sur Jera... Oh mon gars, ce serait l'orgie, quoi. Oh, il faut que je tombe dessus, putain. Ce serait magnifique. Ce serait vraiment magnifique. Dark One... Désolé, on voit rien. Je ne vois rien non plus. Hein. Ça tombe bien. On est plusieurs centaines à ne rien voir. Parce que oui, je sais que vous êtes des... dans la centaine à regarder ces vidéos-là. Hein, pour l'instant, hein, bon, après, que vous soyez des centaines, des milliers ou des millions, moi, peu m'importe. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de faire des vidéos pour le fun. Et, après, qu'il y ait un petit visionnage ou un gros... c'est pas... Certes, un gros, ce serait pas mal, mais... Quand c'est un petit, c'est gérable, ça qui est bien. C'est large gérable avec un petit. Donc, je vais pas me plaindre. Hein. Faites de la pub si vous voulez, d'ailleurs. Hein. Ça peut vous faire plaisir de faire de la pub pour moi. Go for it, hein. Go for it. Hein. Si vous voulez faire des dons, go for it. Hein. Je dis pas non. Également. Et même. Bon. Voilà quoi. Enfin, ce serait bien quoi. Si vous voulez nous aider. Voir des meilleures vidéos.
Ça fait un peu le vendu, quoi. Le vendu des familles, mais... Bon, faites de la pub, hein. Moi, c'est tout ce que je peux vous demander de sérieux, disons. Et c'est ce qui est le plus réalisable, hein. Faites de la pub, hein, si ça vous fait plaisir. Si les vidéos vous font plaisir, d'ailleurs. Si ça vous fait plaisir, faites de la pub. Parlez-en à vos amis. Ah oui. Bon, par contre, là, gros connard, ce boss. Hein. Donnez-moi Jera. Hein. Bon, et puis... Bon, on va faire ça dans l'ordre... en ordre précis. Tiens, d'ailleurs, en fait... Zangenman, ça me sert un peu à rien. Donc, je vais l'utiliser maintenant. Ça, c'est fait. Bob's Curse. Why not? On va se faire un 100%, hein, comme d'hab. Oh merde, enculé. Oh, le bâtard! Oh, mais putain, mais merde! C'est pas vrai, ça. Oh, la vache. J'ai... Oh putain, un coup et je crève, là. Hein. Wow. Oh, ce serait con de crever, merde. On va ouvrir les coffres, hein. Je pense. Au cas où, il y a des cœurs gris. Alors. Death. Des mouches, des araignées. C'est un peu le bordel. Des cœurs gris. Alors, je vais quitter la salle et revenir dedans pour, voilà, pour que ça retire un petit peu de... Voilà, éparpille un peu les coffres. Ça, c'est quoi comme carte? The Emperor. Bof, je m'en tape. Ça aurait pas pu me le donner avant. Merde, j'aurais dû aller voir avant. Mais LOL! Mais what? Sérieusement, quoi. Putain, j'aurais dû aller... Bon, c'est pas grave. Ah, je suis Guppy. Bon, d'un coup, voilà, on a sauvé la run. Oh, la vache. Ah, d'un coup, j'étais grave dans la merde. Vous m'avez tous vu crever comme une grosse chiasse. Et d'un coup, bonjour, je suis Guppy. Ouh, ouais, attaquez-moi, hein, je m'en tape. Oh, triple Dark One. Ouais, bah plus qu'un, voilà, c'est ça. Plus que zéro. Bah, fonce dans mes mouches, toi, t'es débile. Ok, ce côté-là, c'est fait. J'avais pas laissé des cartes. Si j'avais laissé The Tower, je m'en fiche. J'avais laissé Death. Je vais garder Death et High Priestess. Ah, du coup, attends. J'ai eu un cœur gris. J'ai eu un cœur rouge, je veux dire, je peux le convertir avec la Guppy Spaw. Pourquoi je le fais pas? J'y ai pas pensé sur le coup, mais hop, voilà. Je gagne deux cœurs, quoi. Oh, mais la vache, mais c'est le truc improbable, quoi. C'est en mode, salut, tu vas crever. Ah, bah en fait, non. D'un coup, t'as 9 vies, tu vois. Putain, mais ce truc cheaté, quoi. Ouais, la mort x2. Je vais tuer la mort. On va tous devenir immortels dans quelques secondes. C'est pas le moment de m'envoyer des SMS. Même si je me doute de ce que c'est. C'est viens manger, c'est l'heure. Ok, lol, Guppy Scholar. Car oui, ça avait l'heure de bouffer, là. Il est 19h18, donc il va falloir que je mène le cul à finir l'épisode. C'était un peu risqué de le faire à cette heure-là. Fallait vraiment qu'il y ait une run cheatée. Bon, j'ai eu du bol, parce qu'elle était cheatée, effectivement, mais... Bon, les olambes, on va en faire qu'une bouffée. Bon, surtout que, voilà, quoi. C'est n'importe quoi. Oh, je me prends des dégâts, je m'en fous. Je me prends 3 dégâts, je m'en tape. Hop. Je l'ai lové, quoi. Hop, dégage. Ça, c'est fait. Go, Méga Satan.
Non, c'est pas en haut. Go Mega Satan. Là, c'est le mode speedrun. Speedrun manga. Deuxième point, on s'en fiche. Allez, MS. Dis bonjour à Guppy. Guppy qui a qu'un œil d'ailleurs. Puis en plus, c'est ultra cheaté parce que la Blue Candle, elle me fait office d'attaque et ça me donne des flammes. Ça me donne des flammes. Ça me donne des mouches. Des flammes. Oui, ça me donne des flammes, forcément, mais... Pfiou, bâtard. Ouais. C'est très lol. Je vais utiliser Death au prochain coup. Voilà. Comme ça, ils s'en prennent tous dans la gueule. Ok, j'ai rien compris ce qui s'est passé. Je me suis pris des... D'où que je me suis pris des dégâts. Les anges. Ok. Je crois que celui-ci c'est Uriel, je crois. Gabriel. Enfin, Dark et Gabriel, plutôt. Ah, il a une auréole violette, j'avais jamais remarqué. Ah non, c'est parce que je l'ai fier, c'est pour ça. Là, je l'ai lové, quoi. Allez, meurs, méga Satan. Hop là, bonjour maman, dis bonjour à maman. Voilà, dégage. Ah, tu essaies de m'attaquer, on dirait pas. Hein. C'est la bifle totale. Putain, mon gars. Ah, mon gars, c'était la run. C'était vraiment la run. Oh la vache! Oh, cette vidéo elle était trop cool quoi! Ah, je me suis vu crever! Et puis d'un coup, salut, tu es Guppy! Et tu as 9 vies! Et t'as plein de cœur gris! Puis ça rime en i, voilà! Pipi, voilà! Cette phrase était débile! Donc maintenant, je suis démoniaque! Voilà! Et sur ce. Voilà, donc c'est la fin de l'épisode. Si vous avez vu l'épisode avec Maggie qui était vraiment cool, chaque fois je fais des runs cool, ça qui est bien. Donc allez le voir, hein, la notation en haut à gauche. Et ben je vous donne rendez-vous dans l'épisode 16 avec Judas. Et sur ce, je vais aller manger. Enfin, plutôt étant donné qu'on est. Ouais. Je vais plutôt aller boire l'apéro en fait, je pense. D'ailleurs, on va lire le SMS de maman ou de papa, je sais pas. Voilà, ça va être rigolo pour la fin de l'épisode. C'est papa qui me dit tu descends pour l'apéro et sur ce je vous dis allez boire une bière en mon honneur, je ne sais pas, faites quelque chose et ou je sais pas, du sky ou du pastis, je sais pas ce que vous buvez, ou du jus de fruits hein, si vous êtes encore mineur. Et sur ce je vous dis à la prochaine, allez ciao, oh yeah.